directement ce soir à la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui dans notre réunion de délivrance. Amen. Et aujourd'hui, et bon, fait un coucou spécial à tous ceux qui sont connectés avec nous en direct sur notre page de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, bon courage de venir nous rejoindre à l'église. Amen. Vous êtes bien? Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans une réunion de délivrance. À la fin, nous sommes capables de prier aussi pour ma quiconque qui est bizarre à prier. Nous sommes là pour encadrer. Aussi pour prier, nous allons ouvrir de la Bible aujourd'hui dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13. Amen. Dans notre réunion de délivrance, aujourd'hui, il y a un sujet qui vous touche, qui vous pensez, qui est vraiment important pour chacun d'entre nous. Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13 et 14. Vous donnez les temps aujourd'hui pour ouvrir de la Bible et aussi ceux qui sont à la maison et plus familiers. Et à la fin, on va mettre en pratique tout ce qu'il nous va prendre aujourd'hui dans sa réunion-là aujourd'hui. Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13 et 14. Pour faire la lecture de la parole. On peut partir? Amen. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. On va dire Dieu merci pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, Papa, ce soir, vous priez. Holy Spirit of God, I welcome you. Saint-Esprit de Dieu, de aide tous ceux qui sont là, vous priez, Seigneur Dieu, que aujourd'hui, de la grande chose de vous faire dans la vie. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, Papa, vous priez pour de la force, de la gloire, de la grâce, de l'amour, de la paix. Aide-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables, Seigneur Dieu, être librement enseignés par la puissance de l'Esprit. Lord, put your words in my mouth. Your words are like fire. And the people that listen now are like good it can show. Lord, aujourd'hui, vous glorifiez toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu est tout comme cela, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Amen. Aujourd'hui, nous vous touche un sujet qui, quelque part, est capable connu par plusieurs, est capable pas être connu par plusieurs, mais poussé par le Saint-Esprit, nous pouvons ça dans notre cœur, nous capons à ça avec eux. Amen. Et à la fin, nous capables de prier aussi pour chacun d'entre eux. Amen. Et aussi, pour capable, quelque part, faire un suivi par rapport à ce qui venait m'enseigner aujourd'hui. Mes frères, mais qui vous est là pour enseigner? Aujourd'hui, nous vous parle un sujet extrêmement profond, mais il est important de comprendre cela. Amen. À cause de ça qui nous prend et les temps capables d'expliquer. Mais aujourd'hui, on va parler des malédictions. Regardez-moi, frère, mais qui était ça? Est-ce qu'il y a un chrétien capable de toucher par la malédiction? Écoute-moi bien, ne pas tirer une conclusion avant la fin de notre message. Amen. Qui nous capable aujourd'hui d'être souple et qui nous capable d'atteindre et qui nous capable aussi de comprendre que nous pouvons y aller. Amen. Et là, ce sujet-là, il fait quelque part peur. Beaucoup disent, moi, frère, mais est-ce qu'il, comme moi, mon passe et mon vie d'un chrétien, mon passe pour les œufs du baptême, est-ce qu'il va être touché par la malédiction? Est-ce que la malédiction y existait? Est-ce qu'il s'en dit cela toujours réel? Nous sommes dans un rayon de délivrance et aujourd'hui on va toucher de vous tous à ce sujet-là en global. Amen. Pour se commencer, nous bien comprendre qui était cette malédiction. Amen. Vous connaissez, premier parti, ne vous plus le papier, mais avec les temps, nous capables de rentrer dans la pratique des choses. Bon, vous donner la définition spirituelle, c'est quoi une malédiction? Amen. Beaucoup de monde dit, mon frère, nous avons des malédictions, c'est mal sourd, qui mal sorcier, vous voyez. Écoute-moi. Ne partir aucune conclusion. Nous rentrons dans le sujet et qui nous capable de comprendre. Et tout camarade dit aujourd'hui, nous pouvons prendre une petite chose extrêmement importante. Amen. Amen. C'est quoi une malédiction? Malédiction, c'est une chose surnaturelle, pas naturelle. Une petite chose naturelle, c'est une trouvée. La malédiction, c'est une petite chose qui est dans le monde spirituel. Amen. Et qui est une petite chose qui est surnaturelle dans le monde spirituel, qui cause tellement bien la définition, les causes et la sécheresse dans une partie, soit plusieurs parties de la vie. Amen. Parce que, il y a une raison spécifique. Dans un petit moment, on va aller des petites raisons spécifiques. Les capables d'être connus par où? C'est-à-dire, leur connaissance, sont gardés dans la connaissance. M'aurait dit à la malédiction. C'est une petite chose surnaturelle. C'est pas un rayon d'enseignement, là. Hein? Amen. Suive-moi. C'est un rayon de délivrance. Suive-moi, vous êtes capable de comprendre, mais vous pouvez vous expliquer la malédiction, c'est quoi? C'est une petite chose surnaturelle, pas naturelle, qui existait dans le monde spirituel, qui cause la sécheresse dans une partie, soit plusieurs parties de la vie d'un démon.
Dis-moi, n'a qu'à pas connaître, dis-moi, n'a qu'à pas connaître. Plutôt, j'ai connu. Capable, pas connu. Je prends un exemple pour que je sois capable de comprendre. Et dans ma petite tête, moi bien, je suis capable d'arriver, je peux sortir dans une situation financière, de trouver ça quand je suis bloqué, pas capable d'aller de l'avant. Mais là, je t'en comprends, je prends un exemple pour que je rentre dans le sujet. Là, je t'en comprends que je suis un grand-parent qui fait une Pâque, soit une petite chose, une offrande à un idole, soit une diété, soit une petite chose. Là, il amène sa malédiction dans la vie des animés. Je prends l'exemple. Vous êtes capable de comprendre que le sujet là-bas. Voilà. Frère, ayoud, mokon, non. Pas pressé. Laisse-moi ça, ça, filinette. À la fin, donne la solution à cela. Amen. La solution, ce n'est que rien. Ce n'est que Jésus-Christ, il paye tout pour nous sur le bas de la croix. Lui-même, il met malédiction pour qu'il nous mette libérés. Dis à Jésus, paye tout mon malédiction. Amen. Maintenant, nous pouvons expliquer maintenant, il y a trois types de malédiction. Amen. Et aujourd'hui, de trois types de malédiction, trois mais. C'est-à-dire qu'il nous cause de trois malédictions. Qui, quelque part. Premier, c'est une malédiction donnée par un démon qui ou une fait du mort. Ou une fait du tout. Pour prendre un exemple. Et là, des fois, on trouve un enfant, il prend son maman, il met dans un home. Il part suivre son maman, il décide pas de ni manger, ni boire. Maman, là, il dit comme ça, moi, je mets toi dans la terre. Mais quelque part, pour prendre un exemple, pas chrétien, mais manquiquen, il dit pas, moi, t'es aussi, même ça fait pareil, t'as pareil. Il donne une malédiction. Ça, c'est le premier type de malédiction. C'est que vous faites un dimoun du dos, mais qui quelque part, pas oublier. Donne-moi bien, il y a un mot dans mon vino là. Le livre de Proverbe 26, verset 2, qui dit que la malédiction sans cause, paie dans les faits. Faut les lire sans cause. Amen. Mais il y a deux fois, nous faisons un dimoun du dos. On prend un exemple, on rentre dans la case un dimoun, on vient, ou un chrétien, on rentre dans la case un dimoun pour rentrer sur la case ou qu'aucun soca soit allé. Dimoun a donné une malédiction. Attention, frère, il portait. Oui, il vous portait parce qu'il n'y a aucun dimoun. À cause ça, il y a des fois, pour prendre l'exemple, il y a quelque chose qui n'est pas réalisé. Ça, c'est le premier type. Pas qu'un tracas, mais il y a trois types. Combien il y en a? Trois. Premier, c'est ma malédiction qui est une cause. Deuxième, c'est quelque part, une malédiction qui a été envoyée par la sorcellerie. Ma démon qui maudit ou parce qu'il n'est pas content ou. Et ma démon qui maudit ou parce qu'il se salue ou. Ok? C'est ma malédiction. Je tiens à comprendre que le monde spirituel est réel. Amen. Man qui gagne vraiment travail dans le monde spirituel à travers de la sorcellerie, à cause ça qui nous encourage, vient prêt avec mon Dieu. Si un qui gagne, vit quelque part prêt avec Dieu, bien là, on est un travail qui fait sur cimé, cimé, malin, casse-coco, banane, qui n'est pas, qui s'appelle, non, on n'est pas pour faire parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Si on a un enfant qui mange prêt avec Dieu, ou voisin, à cause d'une rente, il a qu'à se faire au tuto, il part pour tous. Parce qu'il est en Jésus-Christ. Avec nous. Amen. Ça, c'est le deuxième type de malédiction. Et puis, il y a le troisième type de malédiction, c'est la malédiction ancestrale. Ce qui était cette malédiction ancestrale, c'est quelque part, mon arrière grand-parent, il fait quelque chose, et il est là, sa malédiction, elle descend, il vit dans la vie. Je te rappelle, tu sais, la définition, il y a quelque chose qui nous connaît, soit nous pas connaît. Et là, des fois, mon arrière grand-parent, je fais ma Pâque avec mon démon, je fais ma Pâque avec la sorcellerie qui nous pas connaît. Maintenant, il y a ça trois types de malédictions. Mais aujourd'hui, nous pouvons guetter ça deux types de malédictions, deuxième et troisième. Nous pouvons effacer le premier type de malédiction parce que vous pouvez expliquer une petite chose. Si on fait un démon, un duto, ou aller, ou demander sa personne, pardon, ou répandre, ou redresser. Si on coquait un démon, se casse, retourner, se casse. Parce que quelque part, moi bien, la malédiction avec cause, il pouvait l'être, l'effet, parce qu'il sait pour qu'il fait la tournée du tout. On rentre dans la prière, on répandit, il y a Dieu peur de nous, pas pour faire ça encore, il est effacé. Oui. Mais nous pas pour cause ça, je dis. Nous pour cause ça, deux malédictions qui partent de quelque part fait par la sorcellerie, par la jalousie, et aussi la malédiction, pardon, qui a été faite par mon arrière grand-parent. Amen. Pas qu'un PSC là. Mais aujourd'hui, ce qui vous explique quelque chose, c'est que aujourd'hui, pourquoi la malédiction existe? À la fin, de vous prier pour tout le monde du monde, il est important de comprendre. Le matin, vous expliquez just down the from heaven. Vous êtes pas PSC, à cause ça qui vous compte beaucoup sur le Saint-Esprit, vous êtes capable d'expliquer cela. À cause ça que le matin, quand vous équipez ma zone spirituelle, vous brisez toute ma mauvaise langue, ma mauvaise pensée, et même ma malédiction qui est prononcée contre la vie. Amen. Il y a beau temps de le faire, parce que, pourquoi? Parce que vous pas connaît. Dieu, t'es pas connaît. Qui mon grand-père, mon royal grand-père, qui fait, vous pas connaît. Mais il y a pourtant d'aller nous expliquer comment nous briser et qui nous capable de gagner une délivrance. Beaucoup qui gagnent, diamant pas fait, vos finances pas fait décoller, faire beaucoup de travail, mais vous pouvez donner la dîme, frère. Mais il y a des fois, nous ne connaissons pas qui est là.
Mais beaucoup de monde dit, mais frère, tous les jours, mon petit casse. Non. Une fois pour toutes, nous vous faire, poussé par le Saint-Esprit, devant nous rébrise une petite chose qui est faite contre nous. Laissez-moi, il est important de comprendre aujourd'hui que ces choses existaient. Bon, pas connaître, il y a un maquillage qui se trouve, que chaque mois, chaque année, chaque saison, il y a un tel problème, et je trouvais qu'il y a tous les années, il répète pareil. Pourquoi? Nous avons posé la question, pourquoi? Le monde spirituel est réel. Les gens vont prendre l'exemple, quand on trouve un dimon, il malade dans la famille, après témoin, l'autre malade, nous trouvons un dimon, et sous l'influence de l'alcool, après témoin, il y a des problèmes. Ces choses existaient. Mais il est important de comprendre. Je prie pour cela. Faute de connaissance, le peuple y périt. L'année qu'on n'est pas connu que ça m'a quelque chose à exister, et mon point de franc avec eux, le plus grand secret du diable, c'est qu'il cassait maximum sur mon travail, qui personne n'en connaît. Du moment où il fait ça, bah, lisez, l'ignorance. Le plus gros défaut dans sa pénitence, c'est l'ignorance. Beaucoup d'églises pas connaissent l'enlèvement. Je vais penser pour vini, vivre de ta vie, moi je t'en vis. Mais quand l'enlèvement, il dit, quitte ça, mon parti connaît. Non, l'ignorance, c'est le devoir de chacun d'entre nous de prendre les maximums d'informations pour nous grandir. Dieu t'a grandi. Just downloaded from heaven encore. Pas oublier comment un enfant, il petit, il grandit, où l'âme et où l'esprit aussi, il grandit dans le monde spirituel. Bien-aimé, vous souhaitez que de prospérer à tous ces gars, qu'il soit en bonne santé, comment prospère l'état de ton âme. En anglais, on appelle ça the growth of your soul. Il y a pourtant de comprendre qu'il nous a grandi, il nous a grandi. Beaucoup de nous, d'entre nous, ne parcourent sa connaissance, hein? Amen. Nous vous passons la majeure partie d'aujourd'hui pour briller sa main qui se donne dans notre âme. Mais il y a pourtant de comprendre que la foi vient de ce qu'on voit. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Parole. Et qu'à partir d'aujourd'hui, mon cas trouve ma quête pour décoller dans notre vie. Vous voyez, ma quête, notre vie pour changer, notre vie de santé pour changer, notre rigueur pour changer, notre situation pour changer. Parce que pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui paye un grand prix pour toi. Et il vient de nous sur parole. Quand on sait sur parole, il est ouvert. Et pour moi, personnellement, la parole de Dieu, il m'a dit, elle l'éclairage d'une gloire. Capable pendant la semaine, du moins, capable de prier, des frères, mais pourquoi frère? Qui fait ça va arriver dans nous la vie? Très probablement, vous aurez une réponse à toute la prière aujourd'hui. Mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien? Amen. Le deuxième, la malédiction. Bye bye, malédiction. Amen. Maintenant, nous devons connaître quoi la source de la malédiction a été. La source de la malédiction fut finie dans le monde, premièrement, à cause du péché. Nous devons connaître que Dieu t'y crée Adam et Ève. Quand il crée Adam et Ève, il crée eux vers la perfection. Il crée eux vers et toutes les choses, toutes les choses autour de eux, qui bénit. Mais du moment le péché qui est rentré, je trouvais que Dieu qui me dit à la femme, te confondre avec lui maintenant. Dieu qui me dit à Adam, maintenant toutes les choses autour de toi, il vous produit un épine, de faire travail à la sueur de ton front. C'est-à-dire que quelque part, la malédiction, il rentre dans la vie à cause du péché. Tant qu'on vient ou capable, les enfants de Dieu, bon, vous venez là talentement, mais énormément de fois, il y a ma malédiction qui suit. Si vous ne faites pas attention au besoin de briser, parce que ça même, il pénétrait, il veut dire pénétrer. Pareil, on va dire quelque part, on laisse un petit espace dans la case, elle est rencontrée. Qui s'en a entre les rats là? C'est nous. C'est-à-dire que quelque part, à cause de ça, qu'ils l'ont saigné, et lui dire tout le monde parat, aucun de malgré. Parce que dans sa dernière étape, je besoin un bon, sauf l'expression, un bon dose de l'enseignement, vous êtes capable de percer et recevoir bénédiction que Dieu a réservée pour vous. On peut continuer. Amen. Amen. Maintenant, à cause du péché, la malédiction vient rentrer. Le livre aussi de Exode 34, verset 7, nous trouvait aussi que Dieu dit, les enfants pourraient être frappés de la malédiction jusqu'au troisième ou quatrième génération à cause du péché de leurs grands-parents. Amen. Maintenant, tenez-moi bien, je veux bien comprendre, mais il y a une balance là-dessus. Je veux bien comprendre que quelque part, quand je viens à Christ, oui, tout est accompli, je prends le baptême, mais il est important de comprendre. Je veux bien qu'on pense à l'autorité, là, dans la bouche pour briser. Du moment de ne pas briser, de rester. Par exemple, disait comme ça, si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu peux être sauvé. Cette confession est importante. Donne-moi bien, tu dis confession. Confession. À partir d'aujourd'hui, je veux bien qu'on connaît que nous devons confesser. Pareil, à l'air, à la fin, je pourrais comprendre qui m'a bien fait par rapport à la malédiction. Mais il est important aujourd'hui de comprendre que mon besoin de confesser et dire avant quelque chose. À cause de ça, quand un quelqu'un dit, j'ai pas étonné, moi, me plaint pour la vie. Tenez, ça s'en est là, mais tue-moi. Tout ça, ma parole-là, quand vous prononcez, il vit en existence. Faire beaucoup attention.
À cause de ça, vous avez besoin de qui vous dire. Amen. Amen. C'est la même? Oui. Il est important, parce que moi, déjà, tu m'as dit qu'il y a des témoignages confessés sur mes enfants, tu fais partie de lui. Moi, je suis content quand tu m'as dit que c'est exactement ce qui vient d'arriver. Je veux bien connaître que faire beaucoup attention avec ceux qui ont confessé. On peut continuer? Amen. Amen. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, mais quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Amen. Oui, bien sûr, il y a une solution. Et aujourd'hui, le livre de Galates nous fait lire chapitre 3, le verset 13, il dit « Maudit est celui qui est pendu au bois. » Et nous tous nous connaissons que c'est qu'il parle de Jésus-Christ, qui vient venir dans la terre. Amen. Quand il vient dans la terre, il vient prendre nos malédictions et il vient mourir au rein de la croix. L'Ancien Testament dit nous comme cela, que maudit est quelqu'un qui vient être pendu sur la croix. Pendu, c'est qui accroché dans la croix. Et nous trouvons l'accomplissement dans la parole, c'est à travers la mort de Jésus-Christ qui a été cloué pour nous sur le bois de la croix. À cause de ça que la parole de Dieu, il a dépouillé les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. Oui. La croix, c'est le moment que tout le péché de l'humanité, tout ou malédiction, dire mot malédiction. Oui. Écoute-moi, il est important de comprendre. Ouvert ou léger, pas déglore, pas comprendre. Et dans des fois, il y aura quelque chose qui suit dans la vie, qui oblige à prendre l'autorité. Pareil, on va dire, l'année est venue près, obligé à ouvrir tout placard et tuer tout concrètement. Pas à temps de faire vivre la carte que tu veux tuer concrètement. C'est ou même qui obligé à connaître que énorme concret là. Amen. C'est qui perd concret là, aujourd'hui nous faire un prière. C'est la même? Oui. Vous êtes intéressé, il y a rien de vite avec moi. Vous venez, je vais concentrer. Je vous sais comprendre que quelque part, ça m'a quitté chose à moi pour bizarre au courant. Maintenant, je suis dans la vie. Je suis bizarre au courant qu'il y a une séquence qui se trouve bloquée. Moi, j'appelle ça une lassesse. Ça, la sécheresse, ça, vous bizarre qu'on prend l'autorité là. Dans quelques minutes, nous sommes capables d'expliquer qui peut bizarre faire. Et c'est qui vous bizarre faire, vous devez me de l'attention. Tout à l'heure, je vous mets debout. Et je vous debout, et tout ce qui pouvait faire les séquences de faire vivre dans eux de la vie. Parce que le Saint-Esprit envie, j'ai Saint-Esprit envie, libère. Le Saint-Esprit envie, God. Le Saint-Esprit dans le meilleur qu'il réserve pour eux. Le Saint-Esprit envie tous eux de la vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire confiance au Saint-Esprit? Eh bien, maintenant, nous pouvons être deux versets. Et ces deux versets-là, nous vraiment, vraiment accrocher à cela. Parce que Jésus finit une malédiction pour qu'il nous donne la bénédiction. Lui-même, il met la malédiction. Parce que regarde qu'il a vu dire. On prend le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il dit, il fait lui-même une malédiction. Pour qu'il nous donne la bénédiction. Et je guette le verset qui suit en bas. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour son accomplissement dans la vie. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Il parle, je tiens à comprendre que les séquences de sa personne qui peut écrire là, qui était Paul, qui peut écrire Mangala, il expliquait, il dit comme cela, Jésus fut une malédiction, il est pendu sur le bois de la croix, pas pendu, hein, il finit accroché sur le bois de la croix. Et la petite chose, c'est qu'il suit après, afin qu'il soit capable de recevoir la bénédiction d'Abraham. Abraham Thibault de ce vieil jour. Abraham était dans environ 180 ans. Abraham était plein de bénédictions. Abraham qui trouve la bénédiction de ce mal enfant démoni. C'est ça que le bizarre, et Dieu qui dit à Abraham, de postérité pour qu'on m'a dit le sable. Et aujourd'hui, je viens comprendre, comme les étoiles de la terre, que la bénédiction d'Abraham, il pour moi, il pour moi ça. Dieu a envie qu'il te bénisse. Dieu a envie qu'il doit de l'avant. Et à cause de ça que Jésus-Christ lui rend en intermédiaire, il prend tout pour qu'il lui ait le meilleur pour nous. C'est la même. Et on va regarder aujourd'hui. Et qui nous pourrait dire aujourd'hui? Le livre de Jean 19, verset 30. Nouvelle la vie. Jean 19, verset 30. C'est qui a envie, mais dites-vous, il y a moi, mon courageux. Amen. Jean 19, verset 30. On va lire quelques versets. C'est pas moi qui vais dire ça. C'est Dieu qui vais dire ça. Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Vous rappelez la lecture? Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Regarde qu'il dit. Il dit, Jésus prit le vinaigre, il dit,
tout est accompli. Ne dis pas tout est accompli. Tout est accompli. Quand il parle de tout est accompli, c'est que il prend tout sur le bois de la croix. Le péché, malédiction, les mauvaises paroles, toute douleur, toute chose, il prend sur le bois de la croix. Et vous dites bien, comprends, donne-moi bien que la malédiction n'est pas capable de trouver ce bout dans toute la vie. Amen. C'est une pure vérité. Aïe, frère, mon père, vous venez, écoute-moi. Non, c'est pas le temps d'avoir peur. C'est le temps de croire. Je dis croire. Wow. La foi vient de ce qu'on non. Quand vous tendez de vous croire que malédiction, écoute-moi, ou problème de finance, ou problème de santé, ou problème du. Non. Et là, moi, je vais lire en anglais, il a ce full stop. Il a ce point. Et quand il est arrêté, il arrive à la croix. C'est pour ça qu'il nous aime dans sa santé. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Amen. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Parce que pourquoi cette croix, elle amène notre délivrance, le Dieu de la délivrance. Quand vous pouvez être devant cette croix, je pense à la croix de Jésus-Christ, dis-moi qu'il monte au lac pour tout ou malédiction. Et aujourd'hui, cette croix qu'on veut guérir, écoute-moi, pas mettre ta croix dans la case. Amen. Mais je vais bien comprendre qui nous peut vous dire. Cette croix qu'on veut guérir, il parle de la malédiction de l'humanité qui vient d'être clouée. Ah! Maintenant, je viens sur l'importance. Qui n'a rêvé? Pas qu'il n'a tassé, puis coulouté. Et dans le dialogue, j'ai des mots coulouté. C'est quoi coulouté? Coulouté, c'est une fois pour que les vignes collent là-bas. Et pour moi, personnellement, quand Jésus-Christ vient ressusciter d'entre les morts, les vignes vignes de gloire, ça veut dire que quelque part, la malédiction vient être vaincue par le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que dans toute la vie, il n'y a aucune malédiction. Non, il n'y a ni maladie, ni rien. Parce que pourquoi Jésus-Christ lui prend la victoire de toute ma question. Amen. Amen. Toujours sur le sujet par rapport à la malédiction. Amen. Maintenant, le livre de 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. De vous faire une lecture de la parole. Qui nous peut refaire? Qui nous peut refaire? Nous peut reprendre sa semence, ça, pour couler ça dans la vie. Amen. Le livre de Jean, 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, le verset 8. Amen. 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable quand le diable pêche dès le commencement. Là, il y a autant. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable t'y rusé. Le jour que le diable t'y tente, Ève, les diables mangent le fruit défendu. Les t'y connaît qui, quand vous désobéir à Dieu, ce sémence pour entrer. Et ce sémence, c'est la malédiction. Parce que lui-même qui finit maudit. J'ai vu Satan descendre du ciel comme une éclair. Lui finit jeté parce que lui-même dit la malédiction. Ça veut dire que lui connaît quand il vous fait passe ce désobéissance à travers de l'homme, lui connaît que la malédiction pour entrer parce qu'il a dû désobéir à Dieu. Mais regarde qu'il a mis dire, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il détruit toutes les œuvres du diable. Amen. Maintenant, guette-moi. Dis vos malédictions, lis à la croix. Lis pas pour moi. Pas pour moi. T'as l'air de penser, moi, que je presse sur malédiction, je pensais qu'il n'y a plus les autres amis. Non. Lis à la croix. Lis pas pour toi. Amen. Lis là-bas. Côté, lis là-bas. Jésus finit prend tout. Et à cause de ça que Jésus-Christ finit dire comme cela, mon fils prend tout de péché. Jésus-Christ lui prend tout nous fardeau, tout nous soucis, tout qui t'en prend. Pourquoi? Pour qu'il doit te vivre un ami. Regarde qu'il a dit dire, afin que mes brebis ne périssent point, il est la vie et la vie en abondance. C'est amen. Deux versets encore, et puis nous pourrons, donc, c'est qu'ils ont envie de connaître les frères, mais qui vous pour faire, frère? Comment vous cacassez ça, maman? Ils ont envie d'être libérés. Combien d'entre eux ont envie d'être libérés? Amen. Maman, tu voulais bien. Bon, on est sur le il est parmi, mais c'est moi qui m'obéis de la paix. D'être libéré, c'est Dieu, le dessein de Dieu, pour eux aujourd'hui, dans eux la vie. Être libéré, parce que pourquoi toutes les malédictions ont été cloutées sur le bois de la croix. Les malédictions, demain qui gagne, ma malédiction ancestrale, tout quelque chose, l'Iloen, la ligne, tout pour arrêter au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Nous verrons la vie, pour partir de l'individu, mais je vais peut-être trouver ça pour ça. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Thank you, Jesus. C'est dans le Trinity, dans notre vie. Amen. Ça, des versets qui vous fait là, il est extrêmement important pour ça.
Parce que c'est un plus que vous avez confié sur cette prière. Amen. Le livre d'Ésaïe 55, verset 15. C'est la dernière qui est difficile. Amen. Ésaïe 55, verset 11, il y a comme ça, vos paroles, par vous retournent vers moi sans y accomplir ce défi, exécuter toute ma volonté. C'est que quand vous vous conservez, c'est là que vous confessez de la bouche, c'est que vous trouvez que la parole là, il vous vit vivant et il vous brise tout ça, ma petite chose. Amen. Le livre de Luc, chapitre 10, le verset, et bon, le livre de Colossiens 2, verset 15, pour faire la lecture, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que quelque part, il dépouille tous les plans de l'adversaire. Ça veut dire que toutes les malédictions, tout quelque chose a été dépouillé sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, c'est Mobidien-Mobidien-Croix. Qui tout ça, quelque chose, hein, il finit sur le bois de la croix. Et maintenant, le livre de Luc 10, verset 19. Amen. Le livre de Luc 10, verset 19. On va lire la parole. Il y a pourtant, mon courage, ceux qui pénètrent la Bible, faites-le connaître, nous pouvons nous donner ceux d'un avis, mais mon but encourage aujourd'hui de prendre cela vraiment à cœur. Luc, chapitre 10, le verset 19. Je me gagne. Merci, Jésus. Regarde qui les dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, il y a pourtant souligné. Et rien ne pourra vous nuire. Pénant, non, n'y est capable toujours. C'est au bisin quoi. Et cette parole, il vous bisin dit de vous la bouche. Amen. Maintenant, vous êtes tout qui attendent ça. Frère, qui vous peut bien faire pour briser tout ça en malédiction là, l'au moins. Amen. Prochaine 5 minutes, nous vous expliquons ça. Et puis, nous vous mettons debout. Nous vous prions, nous vous brisons. Tout ça, ma petite chose, et puis nous faire l'appel à ma petite dame qui vient de vous prier, vous êtes, de vous être mis par devant. Amen. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre. Dieu, il l'air vous brise toute malédiction dans la vie. Amen. Ce qui descend à sa connaissance, ça, définitivement. Amen. N'en est pas pour plus jeune de vous trouver que vous êtes la vie, vous prospérez, tout ce qui se passe de l'avant, de vous bénéficier, de vous jouir à des meilleures choses. Mais il y a une petite chose qui se vous bien faire aujourd'hui. Amen. Ceux qui pas connaissent, je ne connais. Maintenant, c'est le temps de mettre en pratique. Amen. Mais frère, qui vous pouvez faire, on va apprendre trois choses. C'est qu'il y a un plus écrit à trois petites choses. Il n'y a pas de problème, même si vous écrivez dans votre Bible, pas d'ailleurs, vous êtes capable de rappeler. Amen. Première petite chose qui est extrêmement importante de ma malédiction, je bien connais vos rédiens, vos faire recap et puis vos rentrer là-dedans. Et dans trois types de malédiction, elle nous finit causer deux types de malédiction. C'est ma malédiction qui a été envoyée par la sorcellerie, ma petite qui est jaloux et ma petite qui fait du mal contre nous. Et non, mais aussi une malédiction ancestrale. Amen. Maintenant, qui m'a fait bien faire pour briser ça dans vos lives? Je tout qui a envie de connaître, qui m'a fait bien faire? Et dans trois étapes qu'il faut faire. Et nous vous mettez ça trois étapes là, courtement. La première chose, c'est que vous bisez réfisez dans vos lives. Vous êtes d'accord? Premier petit chose, vous réfisez. Je vais prendre un exemple. Et un petit qui est capable, tous les années, jamais il réussit à progrès financièrement. Il vient de se la prier, de se dire, mon refus, ça m'a malédiction. Mon refuse, ça m'a dit, tout d'accord, matin, mon palélie. Du moment où qu'on fait ce palélie, donne-moi bien, c'est un principe de délivrance. Pas pour une heure, aucun dimoun est délivré s'il n'y a pas envie d'être délivré. Donne-moi bien, mon résine. Pas pour une heure, un dimoun peut être délivré s'il n'y a pas envie d'être délivré. Aux autres, cause avec un dimoun qui compte en boire l'alcool, un petit peu qui compte en fumer, si lui n'a pas envie que ma tête fasse un faux arrêté, personne ne va pas délivrer. Parce que la délivrance commence par une décision de soi. De quelque part, tu connais, assis. Moi, fatigué comme ça. Si un petit peu envie content, reste là-dedans, ne pas capable de faire rien. Mille combien vous priez pour lui, mille combien de démons pour ça, c'est, il pas. Parce que pourquoi il finit ferme sur les pierres? Mais quand un petit peu ouvert sur les pierres, il refuse, il dit, Dieu rentre. Si aujourd'hui je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, vous pouvez te souper avec toi. Amen. Parce que beaucoup ferment les cœurs. Amen. Nous devons refuser. Il est important de refuser. Amen. Pour prendre un exemple, plusieurs fois dans la maladie, ou bien qu'on refuse, dit vous de prendre l'autorité. Et dès que ça vient, c'est la poubine, poubine fort. Mon fils donne autre le pouvoir par une zone dans les ciels. Les seigneurs, que pas de délivrer, mon Seigneur, on passe beaucoup de misère dans la terre, on continue à manger, boire, vos finances. Jésus vous dit, comme cela, il n'écrit rien dans vos paroles. Le livre de Luc 10, verset 19. Moi, je n'ai pas l'autorité pour moi, ce mal serpent, le mal scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi. Rien par vous capable de rien. Mais tu sais quoi, refuser une petite goutte.
Amen. Vous pouvez rien prier, vous connaissez pourquoi? On doit trouver la police, une bête à l'info, on peut dire que vous êtes en il peut pire par rien de tout. Vous ne savez pas ça? Non, moi, je vous dis, non. Ni Philippe est sur l'uniforme tout, mais c'est moi qui ai pire par la rédemption de tout en fait le Dieu de la crasse. Parce qu'il n'est pas connu qu'il l'autorité ni fidèle. Dieu vient de nous le pouvoir. Il y a pourtant qui nous connaît, c'est ça. Nous connaissons 10 bouts, nous connaissons 10. Écoute-moi, nous avons cause anglais, français, non rien. Nous avons cause créole. Et nous avons cause 5 pour tout le monde qui a compris. Nous pas faire de l'étude, mais nous avons des splits pour tout le monde qui a compris. Mais il y a pourtant qui savent rentrer dans la tête. Si vous pas refusez, il domine où? Mauvais dire. Si vous pas refusez, il domine où? Parce qu'il est où l'eau aimerait. Si vous pas tapez point, le tapez pas. Parce que pas oublier, le diable c'est votre adversaire. Le livre de Jean 10:10. Fais attention parce que le diable, votre adversaire, rôde autour de vous. Ok? Il veut vous détruire, égorger et tuer. Ce travail, ça. Mais maintenant, si vous rentrez dans un ring, vous restez pieds dans le lit, sans qu'il vous fait un envie. Oh. Bien arrivé pour la guerre. C'est un rayon de délivrance. Écoute-moi, ça couille de même, ça couille de vraiment bien. Il arrive pour la guerre. Il arrive pour la guerre pour vous rassurer tout le moment de bénédiction. Allez, ça couille. Amen. Première chose qu'il nous a fait. Causant moi. Première chose qu'il nous a fait. Vous connaissez notre béatitude, nous rentre profond. Mais mon but, nous aurions dans trois qui existent trois. Nous restons sur ça trois là. Premier, nous étions nous refusés. Refusés trois fois. Parce qu'ils ne sont pas refusés, ils rentrent. Ou bien refusés. Pareil, vous m'avez quelque part, on est capable de faire une mauvaise nouvelle d'un docteur, ou vous avez refusé, pas accepté. Quand vous refusez par rapport à ça, montrez qu'il vous la foi contre ça. Vous racontez? Oui. La deuxième chose, dans la foi, tellement bien, premier refusé, dans la foi, par la foi, brisez. Comment vous brisez par la foi? Comment vous brisez? Vous avez un petit bout maintenant et qu'on casse. Je vais prendre un exemple simple, ça que vous avez dit dans la prière. Seigneur, vous brisez toute ma malédiction qui suit moi. Ma malédiction de ma quelqu'un qui a été envoyé contre moi et ma malédiction ancestrale qui suit moi. Seigneur, vous brisez, vous casse l'homme de la vie. Ça fait neuf, il ne faut pas garder ça. Non, Seigneur, nous dire. Mais c'est où qui nous a confessé. Pareil pour prendre un exemple. Le frère, mais qui fait faire la vie, pas qu'à casser la vie. Nous lui enseignons, nous avons prié pour. Pareil, il paraît comme le salut. Le salut, donc, ou pas confesse de la bouche, nous avons enseigné un démon. Non, mais nous, Seigneur, mais si lui n'est pas confessé que Jésus-Christ est ce Seigneur, ce Sauveur, dans ce la vie, n'en y est pas arrivé. Pareil. Au besoin causé. Bien, nous avons causé. Premier, c'est refuser. Deuxième, dans la foi, casse-lui. Je vais apprendre là, je vais pousser. Écoute-moi, ça, trois affaires là, t'as l'air de vous faire l'idée de ce moment-là. Nous mettons en pratique là. Amen. Nous vous refusez, nous vous brisez, nous vous cassez. Et nous vous anéantissez tout ce mantra. Par exemple, la scène, casse-lui. Nous te disons casser. Amen. La troisième chose, pour terminer. La troisième chose, c'est que, pour moi, bien, ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Premier, refuser. Deuxième, casse-lui, brise-lui. Troisième, vous brisez. Déclare promesse bon Dieu, l'eau sa circonstance. Parce que regarde ce que la Bible dit. La Bible dit à nous comme cela, le livre d'Hébreux 4:12, la parole de Dieu est comme l'épée à deux tranchants qui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Amen. Et même l'épée de l'esprit qui est là-bas, la parole. Il est important que vous êtes capable de comprendre que l'homme offensif qui meurt dans notre vie, c'est la parole. Pour prendre l'exemple, quand quelqu'un qui est malade, il est consenti, il est malade, soit il est grippé, premier affaire qu'il fait, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, moi, applique le sang de Jésus-Christ dans mon avis, et me déclarer, me dire, qui me dire, Seigneur, c'est pas ton nourrissure qui me finit à la vie. Me confesse la parole. Beaucoup de gens ne pas comme ça. Et je vous dis, c'est un secret, ça. Et c'est un grand secret. Et c'est un secret pour comprendre ça du défunt. Et Don Quichotte dit à une madame comme ça, madame, c'est un grand conseil à la cause. Les dialogues comme cela, voilà la carasse, ou écrire 1000 lignes. Ok? Par les merveilleurs de Jésus-Christ, on vient à la vérité. Mais c'est pas sa foi qui vous écrit à lui ou confesse-lui. Madame, si madame Sinoise dans la carasse, les dialogues comme ça, il y a un problème là, parce qu'elle a demande un pigeon. Ok? Longtemps, je t'en fais parce qu'à l'école, on va faire des vagues, un pigeon écrit 1000 lignes. Mais c'est moi qui commence à écrire, par la foi.
Il commence à écrire, le premier, il a parlé bien triché de Jésus, il a raison. Il continue, il arrive. 999, quand il avait écrit 1000, il trouvait qu'il pullulait sur la rose et disparaît. Et quand il a fait ce test, il guérit totalement. Parce qu'il est confessé, il veut dire confessé. Maintenant, la confession de problème de l'homme. Il ne va pas connecter au problème. C'est un petit bout de quelques minutes, on va chanter un quelques chants. Le bout de le moment pour réfléchir et retraverser une vie déversée. Déversée, il a dépouillé les dominations des autorités en triomphant d'elle par la croix. Le livre de Luc 19, verset 10, il parle que tout pouvoir nous a été donné. Et il fut donné le pouvoir pour voir ce mal serpent, le mal scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous calmer à nous. Ce bien votre mal versé approprié dans notre âme. Il faut prendre l'exemple. Par rapport si j'ai un problème de finances, reversez là. Le Saint-Esprit, même si c'est pas le diable qui chapitre qui verse, mais remet ça. Seigneur, te dire, Seigneur, te couvrir à l'église de Dieu, de vous descendre de la gloire. Papa, moi, vous manque de rien. Vous prenez à l'abondance, Seigneur Dieu. Te dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui me fait la bonne confesse, mon situation, me confesse la parole dans sa situation. Quand vous confessez sa parole dans sa situation, quelque chose arrive. Amen. Vous êtes fait comprendre? Amen. C'est assez clair aujourd'hui. Et aujourd'hui, trois qui sont, c'est qui je vous ai fait. D'un petit moment, mettre en partie. Vous êtes capable de prendre ce papier, vous êtes devant eux, de prier. Il n'y a pas de problème. Là. Amen. Première chose, c'est réfléchir. Je vous dis réfléchir. Dans la foi, briser. Amen. Briser, casser. C'est ça qui est quelque chose qui est important. Ok. Renoncer. C'est un petit peu appelé briser, casser, renoncer. Troisième, reinverser, approprié. Par rapport à sa situation qui est là, et confesse-le. Amen. Bring light into the situation. Amène la lumière dans sa situation. Seigneur, moi, déclare, je dis déclare. Et dans la prière de supplication, et dans aussi la prière de déclaration. Moi, déclare qu'il m'a été. Amen. Voilà une vie terminée aujourd'hui. Et le finis plus ce que, et dans la malédiction qui est capable de rôder. Écoute-moi. Pardonne-moi pour le mot. Pour si elle vient de vous, elle contexte mauricien pour tout le monde qui comprend. Pas jouer bolo là. À faire comprendre ou même qui ça va dire tout ça qui réel existait. Et nous connaît qui nous plaît Dieu. Et maintenant, c'est pour ça prendre l'autorité ou briser ou casser ou libérer la partie de la vie. Et nous appelons ça que quelque part qui m'appelle ça, vous pouvez vivre la vie pleinement en Jésus-Christ. Comment m'appeler ça? Parce que tout le monde qui tourne dans la vie, puis casser votre vie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut se mettre debout aujourd'hui? Je demande à un musicien de rapprocher. Amen. On va chanter, vous brillez ça. Et puis, vous déconnectez avec Internet. Et puis, on va prier pour ceux qui visent la prière à l'église. Amen. Les musiciens, s'il vous plaît. On va chanter quelques chants. Amen. Et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes prêts ce soir? Mon dernier en anglais, are you ready? Amen. Moi, personnellement, si vous dites ça, si vous participez, je dis Seigneur, là, vous révisez la vie à ce qu'elle a tous à faire qui est là, vous vous cassez, mais propre, lavez vos bénédictions et descendent. Amen. Amen. Les malédictions sont réelles, mais, mon Seigneur n'est plus réel du tout, qu'une chose. Parce qu'il vit dire dans sa parole, le livre de Galates 3, verset 13, il vit dire qu'il lui-même dit les malédictions. Afin qu'il nous hérite les bénédictions d'Abraham. Amen. On va rendre grâce ce soir pour la parole de Dieu. Papa, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, Papa, vous louez toi, Seigneur Dieu, vous glorifiez toi, vous exaltez de ces noms, Papa. Merci pour de la grâce de bonté, de fidélité, Papa. Seigneur Dieu, vous priez toi, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Papa, vous priez, Seigneur Dieu, Papa, pour que la gloire vous descende. Opère de délivrance dans la vie de saint qui vient, Papa. Guérisons, Seigneur Dieu. Délivrez-nous, transforme la vie, Papa. Aujourd'hui, cette la vie va vous parler. Même ceux, Seigneur Dieu, Papa, qui écoutent nous à la maison. Seigneur Dieu, travaille dans cette la vie. Renouvelez cette lecture. Transforme cette pensée. Vous les dites, moi, merci, Seigneur Dieu, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Et dans puissance, dans le nom de Jésus-Christ. On va chanter ça ce soir. Avant de vous quelque part refuser, en la foi briser, casser et déclore la promesse de Dieu dans notre vie, Seigneur Dieu. Allez. On va chanter ensemble ce soir. Merci Seigneur Dieu, Papa, relève-nous et toi. Pour la puissance.
là aujourd'hui, même ceux qui sont à la maison, avant que vous déconnectez avec notre live aujourd'hui, préservez notre cœur. Et on va répéter cette prière avec la foi et conviction. Tiens, papa. Papa. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Je vis devant toi. Ce soir, papa. Je comprends. Seigneur Dieu. Ta parole. Libère. Pour la vie. Seigneur. Je comprends. Que Jésus-Christ. Malédiction. Afin. La bénédiction. Dans vos lames. Seigneur, au briser, au casser, ma malédiction, ma lien, héréditaire, suis-moi, à travers, à travers, ma parent, Vous prononcez la promesse de Jésus-Christ dans vos vies.